Bonjour, je suis Nicolas et bienvenue chez Spengler. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un projet, celui de nos nouveaux stéthoscopes. En effet, en 1907, Emile Spengler, en inventant le tensiomètre, a également inventé un couple indissociable avec le stéthoscope, indispensable pour la mesure de la pression artérielle en mode auscultatoire. Mais ça, vous le savez déjà. En 2017, nous avons eu un projet ambitieux, celui de repartir d'une page blanche, quitte à balayer des croyances, même les plus anciennes. Pour ce projet, nous nous sommes entourés de l'École centrale de Marseille et nous avons ainsi pu bénéficier du travail des élèves ingénieurs ainsi que des chercheurs du CNRS. En effet, le laboratoire d'acoustique de Marseille, pôle européen et mondial d'excellence en recherche acoustique, est situé à proximité de l'École centrale et nous a permis d'avoir accès à des moyens matériels et humains extraordinaires. Sur une plage de 0 à 1500 Hz, correspondant à l'examen médical, bruit physiologique, bruit cardiaque, bruit pulmonaire, nous avons étudié tous les stéthoscopes du marché, toutes les technologies, tous les matériaux et chaque partie qui compose le stéthoscope. Ce qui nous a permis de faire des choix affirmés de conception au sein de trois familles de produits. La famille Magister 2, c'est le produit ultra performant et polyvalent dans toutes les conditions. Il s'adresse à la médecine générale. La famille Cardio Prestige 2, c'est la performance absolue, c'est l'arme ultime pour les professionnels de santé. Et la famille Pulse 2, léger et maniable, est un produit beaucoup plus nomade. Maintenant, je vous invite à découvrir chacune de ces vidéos, chacun de ces produits et leurs secrets de fabrication et de conception dans les vidéos suivantes. À bientôt. Au revoir.